Popo, c'est Nejan, c'est le matin, non c'est pas le matin, mais c'est l'habitude, excusez-moi, voilà, j'ai toujours l'habitude de faire des vidéos au petit-déj, alors voilà, c'est mon intro de vidéo, excusez-moi pour cette introduction complètement foireuse, mais aujourd'hui, ça va être une ouverture de plusieurs boosters, voilà, une Pokébox. J'avais envie de reprendre un peu des vidéos autres que les petits-déj, parce que j'en fais vraiment beaucoup, c'est un rythme que j'impose à ma chaîne pour être régulier, et faire vraiment une chaîne de petites vidéos, c'est l'idée que j'ai voulu suivre avec le concept de ma chaîne, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien de se faire des bonnes vidéos autres que les petits-déj. Et aujourd'hui, c'est une Pokébox. Voilà, une Pokébox Mewtwo que j'avais pas ouverte parce qu'elle est sortie pendant la pause de ma chaîne. J'ai fait vraiment une grosse pause d'environ plus de 3 mois. Et en attendant, bah, durant ces 3 mois, plein d'items sont sortis. Beaucoup de gens ont fait des vidéos sur cet item-là. Mais maintenant, il est sorti déjà depuis un bon moment, je dirais 2-3 mois. Et je pense que beaucoup d'entre vous auraient envie de voir l'ouverture de cette Pokébox. Alors on y va. En tout cas, même s'il n'y a pas beaucoup de vues ou de personnes qui viendront la voir, moi je vais prendre du plaisir à ouvrir cette boîte et on va découvrir avec ceux qui viendront me regarder qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Alors, ou plutôt dans la boîte. Allez, on y va. La Pokébox de Mewtwo qui était sortie, c'est la dernière Pokébox d'actualité. Voyons avec qui il était sorti, le Mâconnière. Et sur le dessus, nous avions le fameux Léviator rouge. T'inquiète pas, ton tour viendra. Allez, on va passer à l'ouverture de la Pokébox. Voyons ensemble ce que l'on va avoir à l'intérieur. Déjà, la carte promo, elle est juste splendide et elle déchire. Regardez-moi ça, franchement, ça c'est de la carte promo. Faut que j'arrête de dire franchement, j'en peux plus. Je le dis dans chaque vidéo, c'est un tic que j'ai pris. Voici le code, cela fera plaisir à certaines personnes, j'en suis sûr. Et le Mewtwo, bah, je vais le mettre sous pochette pour pas l'abîmer. Déjà, les Pokébox, ils abîment pas mal les cartes promo. Alors, si je peux le protéger dès maintenant, ça me fera pas de mal. Voilà, regardez-moi l'illustration de ce Mewtwo. Avec là, il est en train de faire une superbe attaque. Ça doit être sûrement le coup fracassant. Je pense que c'est ça. Sinon, je ne sais pas. Alors, vous me le direz dans les commentaires. La carte est trop trop belle. Elle a un super effet et ça commence à mettre bien dans l'ambiance pour le reste de la vidéo. Le descriptif de la Pokébox, le voici. Pour ceux qui auraient envie de le lire, bah vous pouvez faire pause, ne vous gênez surtout pas. Et moi, je vais passer à l'ouverture des boosters qu'il y a dans la Pokébox. Alors, quand cette Pokébox est sortie, il n'y avait pas encore d'impact des destins, ça c'est normal. Voyons ce que l'on va avoir. Que du rupture turbo? Sérieux? Ah bon? Bon bah d'accord, full du rupture turbo pour la vidéo. Je pensais qu'on aurait un peu plus de diversité, mais même pas. Bon, et ben j'espère avoir au moins le méga Léviator rouge dans ce cas-là, parce que là on a quoi? Bah 4 illustrations différentes, au moins c'est déjà ça de prix. On a les 4 boosters différents de la série, le Luxray Turbo, l'Amphinobi Turbo, le méga Scizaiox et le méga Léviator rouge. Je ne sais pas du tout si ces Pokébox ont une réputation d'être chanceuses ou pas, je ne l'ai pas ouverte pour ça à la base, je l'ai vraiment ouverte pour passer un moment différent des petits-déj. Et ben on va y aller. Allez, on va démarrer tout de suite avec mon booster préféré, le Léviathan. C'est parti, on y va! Alors, Rupture Turbo a été bien mise en avant avec le fameux Léviator rouge du lac Acajou, le seul Pokémon Shiny qui était vraiment officiel dans les versions Pokémon. Après, il fallait chasser les Shiny si vous en vouliez. Je mets les bonnes cartes à la fin. Et j'ai trouvé cette série vraiment superbe. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle code dans les futures années. Alors voilà, une petite avancée pour la meilleure qualité vidéo et on démarre avec Venalg. C'est parti. Ensuite nous aurons Monorpal, Quanuton, le petit Lixi qui est dans un champ de rose, Chamallow qui me fait penser à Mario, Chaffreux, Macronium, super belle carte, elle a beaucoup marqué les esprits et les câbles aussi d'ailleurs, j'adore, elle aurait vraiment pu être en rare dans cette série, elle est juste parfaite cette carte. On enchaîne ensuite avec Exagidon Holographic Reverse, ok, on démarre sur les chapeaux de roue, ça c'est de la vidéo et du booster, et ensuite nous aurons Aquakwak rare, ça c'est déjà moins bien. Bon, une rare dans le premier booster, mais je m'arrête davantage sur le Exagid en Holographic Reverse. Je sais pas du tout si je l'avais, mais il ira sous pochette pour le protéger dès maintenant. Et j'ai l'impression que les cartes à l'affiche dans cette vidéo sont des Pokémon du fond. J'ai mis un fond à l'effigie des Mewtwo que je trouvais magnifique. C'était quand le Mega Mewtwo est sorti d'ailleurs. Et pour l'instant, les deux bonnes cartes de la vidéo, et ben c'est deux cartes du type Psy. Bon, ben on va voir la suite. Allez, deuxième booster, il en reste quand même encore quelques-uns. On y va avec le Mega Scizaiox. D'ailleurs, bah, dans tous les boosters que j'ai ouverts de Rupture Turbo, que ce soit avec vous sur la chaîne ou hors caméra, bah, j'ai dû avoir au moins 4 Scizaiox X et 2 Mega. Et j'abuse pas, hein, j'ai vraiment tiré ce Pokémon-là en pagaille. On a tous de toute façon un Pokémon qu'on retrouve énormément de fois dans une série. Alors, Krixik, Venalg, Le Retour, Starry, Rapion, Chlorovule, l'énergie spéciale aquatique, waouh, ouais, j'adore ces énergies-là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un joli travail quand ils les ont rééditées dans le bloc XY.
Simulabre avec les Desselyandes. Dresseur. Oh, pas mal, je m'y attendais tellement pas. Bon, bah, Pandarvar en rare, tu resteras derrière. Moi, je vais prendre le Amphinobi Turbo. Polo popopo. C'est trop bon, c'est vraiment super bien, tiens. Bon, je suis un peu fatigué parce que je tourne cette vidéo après le boulot, donc même si je saute pas partout dans ma tête, c'est quand même ça, mais c'est le corps qui suit pas. Je suis bien bien fatigué, mais faut que je me... voilà, on gagne, comment on dit? No pain, no gain, je crois que c'est ça. Ouais, il faut vraiment se battre pour vraiment bah, se battre, parce que je veux me battre pour faire mes vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est pas forcément évident de tourner en même temps que le boulot, mais je prends toujours autant de plaisir. Waouh, on a un Amphinobi Turbo, c'est bien, c'est pas mal. On est déjà à une Holo, une Turbo et un Mewtwo X, c'est plutôt bien. Moi je suis content de cette ouverture. Allez, on va continuer, il reste deux boosters, c'est reparti. On part à l'Amphinobi Turbo, ouais, c'est ça. Et la carte est juste là, il va de pair avec le prochain booster que l'on va s'ouvrir. Est-ce que je l'avais dans ma collecte? Je suis pas sûr, c'est plutôt bien, j'arrête pas d'avoir des ultra rares que j'ai pas. Donc je complète un maximum. Après, je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'ultra rares aujourd'hui. Je n'emploierai même plus le mot ultra rare parce que bah, ça vient commun, quoi. On n'arrête pas d'en avoir de partout. Et avant, les ultra rares avaient vraiment une valeur. Aujourd'hui, si la carte vaut 5-10 euros, c'est déjà pas mal. Bon, allez, troisième booster, Zébibron, Starry, Electek, Grindur, Grenouille. La troisième œil du kinésiste, alors je sais pas pourquoi ils lui ont donné ce nom-là, mais c'est pas grave. Le super Massot Lourdeau, le Pokémon le plus fort du monde. Luxio, Dresseur, Détermination d'Ondine, elle ressemble pas trop à Ondine, moi je trouve pas, mais pourquoi pas. Et la bonne carte de ce troisième booster, ce sera une rare pour changer, Amphinobi. Bon, super, troisième rare. Bon bah heureusement qu'on est gâté au niveau de la turbo et de la reverse, parce que au niveau de la bonne carte, c'est pas ça. Allez, il reste encore un booster, on peut taper la secrète que j'ai encore jamais eue, ce serait super pour terminer cette vidéo sur les chapeaux de roue. Sinon, bah, il faudra que je me creuse la tête pour trouver un titre, parce que j'ai déjà dit Ninja Powa dans un petit déj. Je vais pas encore faire un clin d'œil à l'effigie d'Amphinobi Turbo, parce que sinon je vais jamais en finir. Allez, le dernier booster, c'est parti, on y va, ratata! Chamallow, Electek, Grindur, Zébibron, la Célébration Nocturne en dresseur, c'est plutôt bien, elle est bien travaillée, et des Pokémon un peu de partout, je l'apprécie vraiment bien. Ensuite, Seraphrous, Flagados, on arrive à la reverse, on aura quoi? J'adore cette carte, je vous l'ai commentée au début de la vidéo et c'est pas pour rien. Et les câbles, un peu comme une reverse, elle mériterait d'être en rare, je la trouve superbe. Déjà, les câbles est un Pokémon pas commun, et en plus, bah, dans sa position et l'illustration, superbe. Allez, j'arrête de vous faire languir, on va passer à la dernière carte de cette Pokébox, voyons si elle était vraiment pourrie ou pas. Je crois que c'est vraiment mal barré. Ah, on termine quand même sur une holographique. Bon. Une holo, trois rares, c'est le quota vraiment pas top des Pokébox, mais ça arrive fréquemment. Bah vous l'avez vu, ma Pokébox aura pas été chanceuse malheureusement. Je mets le Rangadaolo sous pochette, je l'ai déjà, alors si pour certains vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on pourrait peut-être se faire des échanges, il n'y a pas de problème. Voici les bonnes cartes que j'ai retenues dans cette vidéo. Le Amphinobi Turbo, je vais le mettre juste là. Le Mewtwo X de la Pokébox qui reste au final la meilleure pioche de la vidéo. Je vais la mettre par ici, voilà. Le Rangadaolo holographique qu'on a eu sur la fin et une reverse que je trouvais vraiment plutôt pas mal, il s'agissait de l'Exagide. Alors, on va faire une macro sur l'illustration des cartes. Voilà, on va les mettre comment? On va les mettre comme ça. Allez, finalement, j'avais fait un plan, mais on s'en fiche. Voilà, on va terminer comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si les ouvertures de Pokébox vous plaisent pour changer un peu des vidéos petit-déj. Moi, je vais aller me reposer parce que je suis bien fatigué. Mais ça fait toujours autant plaisir de tourner des vidéos sur ma chaîne YouTube. Cette Pokébox m'aura vraiment mis le smile. Alors, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez comme vous êtes super. On garde le sourire. Et on se retrouve demain. Salut tout le monde!